Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo, c'est Momo avec vous. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale sur ma chaîne YouTube, puisqu'aujourd'hui je vais vous présenter 4 miniatures de police que j'ai pu trouver en magasin. Et pour ce faire, on est dans un lieu qui est super beau et je dirais même l'un des plus beaux lieux de Sarreguemines, puisqu'il s'agit du château Hülschneider. Donc ce château, comme je l'ai dit déjà dans une précédente vidéo, c'est un château assez ancien. Comme je viens de le dire, c'est l'un des plus beaux endroits de Sarreguemines. Et en plus de ça, bah maintenant, c'est le district de la casque, à savoir Sarreguemines Confluence. Donc voilà les amis, on se retrouve tout de suite pour la présentation des modèles. C'est parti! Donc voilà les amis, on se retrouve tout de suite pour la présentation et on commence tout de suite avec Dubo du Nos Rêves et ce petit Dacia Duster de la police nationale, donc police française. Alors si vous entendez que ma voix part un peu en live, hein, je tiens à m'en excuser, c'est parce que j'ai un peu mal à la gorge. Alors quand on retourne la boîte, on a Dacia Duster 2021 police nationale Guadeloupe, licence officielle Dacia. Donc on va la sortir et donc la voici et regardez ça comment elle est super bien faite. On a les feux qui sont rapportés, même les anti-brouillards. Elle est incroyable, on a la petite plaque dessus, le petit police national vu du dessus avec le petit gyro. Sur le côté, donc on a le petit Duster qui est écrit, on a toute la sérigraphie qui est super bien reproduite. Les jantes également, parce qu'il faut savoir que dans la police, les jantes elles sont comme ça sur les Dusters. À l'arrière, eh ben, on a le police qui est écrit, on a le Duster, la plaque et bien sûr les feux qui sont rapportés. Franchement, c'est pas mal. Bien sûr, le logo Dacia aussi. Et de l'autre côté, bah, c'est exactement pareil que l'autre. Ils ont vraiment fait un travail de fou sur ce Duster chez Nos Rêves. Il est vraiment très très beau. On poursuit avec une Peugeot 308 SW de la police belge. Donc là, quand on retourne, bah, c'est écrit hein, Peugeot 308 SW 2018 police belge. Donc on va le sortir et donc la voici et regardez ça comment elle est incroyable. Donc ici c'est écrit police, on a bien sûr les traits caractéristiques de la sérigraphie de police belge. Bien sûr au-dessus on a un gyrophare, une antenne. Sur le côté eh ben, on a encore les traits caractéristiques de leur sérigraphie hein, qui est très très belle au demeurant. On a écrit police et bien sûr le numéro d'appel. À l'avant on a bien sûr la calandre, les feux qui sont rapportés, le logo et une petite plaque hein, que j'ai rajouté moi-même parce que sinon ça serait écrit 308 SW. On a bien sûr les rétros qui sont reproduits. À l'arrière eh ben, on a encore une fois police, le logo, il y a marqué 308 et encore la plaque d'immatriculation et les feux rapportés. Ce qu'on peut voir aussi c'est que bah, les pare-chocs ils sont orange fluo pour mieux être voyant hein, en cas d'intervention. Cette voiture est vraiment incroyable, elle est vraiment très jolie, donc je suis content qu'elle complète ma collection. On poursuit ensuite avec du Welly, mais qui n'est pas vendu en France, hein, puisqu'il s'agit d'une Mercedes de la Polizei. Donc déjà, on voit que le gyrophare, il est respecté. On a la calandre et les feux qui sont rapportés. On a une petite plaque BP, mais ça, c'est moi qui l'ai rajouté, hein. BP pour Bundespolizei. Sur le côté, on voit que la sérigraphie, elle est bien et fidèle, donc bien reproduite. On a bien sûr un ouvrant. À l'arrière, on a les feux qui sont rapportés. On a le logo Mercedes. On a le nom du modèle et bien sûr la plaque encore une fois que j'ai rajoutée. Et de l'autre côté, on a encore la sérigraphie qui est fidèle à l'original. Et bien sûr, on a les vraies jantes Mercedes qui sont dessus. Le dessous avec la petite licence. Ça fait plaisir à voir. Et on poursuit avec le dernier modèle de cette vidéo, puisqu'il s'agit d'une BMW de la Polizei, hein, donc non plus pas vendue en France. Donc déjà, ce qu'on peut voir sur celle-ci, c'est que les feux sont rapportés. On a bien sûr
la calandre, le logo, la petite plaque encore que j'ai rajoutée, le Polizei qui est écrit sur le capot. On a bien sûr le gyrophare qui est respecté. Le côté, la sérigraphie est fidèle à l'original, avec le petit Polizei sur la portière. On a également un ouvrant ici. On a bien sûr les jantes qui sont fidèles à l'original, c'est bien des jantes BMW. À l'arrière, on a le nom du modèle, le logo, les feux rapportés et bien sûr la plaque que j'ai rajoutée. Et de ce côté-là, la sérigraphie est encore fidèle à l'original. Et bien sûr, on a un ouvrant de l'autre côté. Et c'est pareil pour la Mercedes. Donc voilà les amis, on se retrouve tout de suite pour se dire au revoir. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire et à vous abonner. Et on se retrouve très bientôt. Allez, bye bye les amis. Tchuss.